Bonjour tout le monde. On va co on commencer dans quatre minutes. Utilisez l'onglet à droite, titre message, sélectionnez cette option comme participant et nommez votre nom euh, et votre organisation. Et merci beaucoup pour être ici, pour votre patience. On va commencer à 8 heures, ton de l'Est, HNE. Et si vous demandez, elle n'a pas accès à mon caméra, c'est intentionnel, on va donner ça euh, quand le temps arrive pour la section ouverte pour cette présentation. On va vous voir dans trois minutes la section de caméra est fermée pour le moment, jusqu'au moment qu'on on entamera les questions et les réponses et les commentaires un peu plus tard. Bonjour tout le monde, on va commencer maintenant, merci beaucoup à tout le monde qui a connecté. Et si vous êtes en train d'utiliser de le deuxième onglet à, deux, à gauche à droite pour voir votre message par votre nom et organisation. Merci beaucoup. Bienvenue à tous à cette réseau de recherche. Celui celle qui n'est pas, je suis Alejandro Vargas, spécialiste avec le CRD et pour la part de toute l'équipe qui travaille pour l'initiative de Future Work, pour un avenir de travail durable. Euh, C'est un plaisir pour moi de vous euh, souhaiter le bienvenue ici aujourd'hui. Pour les interprètes, je vais juste dire en français. Bonjour tout le monde, je m'appelle Alejandra. Je travaille au CRDI comme une spécialiste principale des programmes. Au nom de toute l'équipe de Citroën, nous vous remercions d'avoir de participé à notre session de formation aujourd'hui. La session s'est déroulée en anglais, comme vous pouvez voir ou écouter. Nous proposons une traduction simultanée. Et vous devez poser vos questions dans la langue de votre La séance sera deux volets. On va donner certaines remarques. C'est exactement quoi l'initiative? On va aller à, à les responsabilités centrales et les critères d'admissibilité. Et on va ouvrir le plancher à toutes les questions que vous voulez poser. Comme mentionné en français, ça a été déjà euh, traduit parce qu'on a l'interprétation euh, simultanée. Vous avez le droit d'utiliser votre langue de choix, de préférence, pour poser votre question et commentaire. Euh, certaines instructions maintenant, comment la séance peut aller, d'être, euh, de ne pas avoir des problèmes avec la plateforme de d'eau, s'il vous plaît. La première chose, de noter que votre microphone et caméra ne seront pas accessibles. Pas de panique, c'est fait intentionnellement. De faire en sorte que la qualité de son est là. Mais quand on arrivera aux questions et réponses, à la foire des questions, vous pouvez, il y a un petit bouton de demande en bas, Request button. Cliquez sur ça et l'autre va vous donner l'accès nécessaire. Donc, activez votre caméra et microphone à ces entrefaits-là. Ou larguer vos questions dans le clavardage et à n'importe quel entrefait ou point. Si jamais vous l'avez pas fait à date, de faire en sorte que vous avez l'interprétation ou l'écoutez dans votre euh, langue de choix. Allez à gauche de votre écran sous l'égide de, de l'interprétation, sélectionnez la langue de préférence et voilà. Après ça, un petit rappel aussi, la qualité est vraiment importante, en particulier pour les interprètes. S'il vous plaît, si vous pouvez porter des caisses avec tout le monde, surtout les interprètes. un moment, si jamais on ne peut pas écouter votre question, s'il vous plaît, larguez et rédigez votre question dans la boîte de clavardage, le chat. Si vous ne l'avez pas fait à date, vous pouvez utiliser Chrome ou Edge comme votre navigateur. Safari a des problèmes sur Kodo. Euh, Soyez libre aussi en même temps de sélectionner l'onglet des messages, un soutien technique euh, et, et vous pouvez écrire les problèmes techniques et un représentant va profiler pour vraiment régler les problèmes. Évitez de euh, utiliser cette piste de participants. Ça, c'est pour des questions seulement et commentaires. Un petit rappel si vous voulez demander des questions, vous avez deux choix un Aller au message, anglais en bas de participants. Ça, c'est une piste ouverte. Faites une petite introduction, commentaire, question à travers de cette séance. Et l'autre euh, option est de, à travers de, la, euh, les foires aux questions. Cliquez sur le bouton Request to Speak. Une, euh, demande de parler. Accès sera octroyé. Euh, sera Et donc, euh, quand vous avez euh, terminé ça, s'il vous plaît, de euh, fermer, pousser, done, fait, complet, et donc euh, vous pouvez quitter. En tout ça, on va commencer, et c'est ma collègue julien Dawe de CRD. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. On va juste aller aux diapositives, s'il vous plaît. Euh, merci beaucoup, merci à tous pour être ici. En espérant que ça va être une, une séance utile, je vais aller un petit, faire un petit survol sur les objectifs et thématiques. C'est détaillé dans le document, mais je vais faire un petit sommaire pour la discussion. Euh, ce qu'on cherche ici, comment les, orga les organisations vont euh, l'aider, des rechercheurs, des institutions, des systèmes d'ensemble de protection, des compétences qui améliorent la mobilité économique, la préparation, l'avenir, les recherches de grande qualité et la transition de. Euh, Carbon faible. Ça devrait donner aussi la préparation pour les travailleurs et la preuve nécessaire pour vraiment arriver à cette transformation. Pour euh, faire ça, on a des objectifs ici de soutenir des recherches de haute qualité, innovantes et sensibles aux gendres qui aborde les principaux défis et opportunités sur l'avenir du travail pour faire progresser les compétences, renforcer la protection sociale et promouvoir le travail décent. Aussi, de, euh, pour avoir un objectif spécifique, on va donner soutenir les recherches menées par le Sud sur l'impact des progrès technologiques numériques tels que le IA et la transition vers une économie de faibles émissions de favoriser les réseaux de partage de connaissances de l'apprentissage par les pairs grâce à la création des centres de recherche et exercer pour avoir un beau réseautage des praticiens et chercher qu'il soutenir la mobilisation des connaissances en vue de leur adaptation en engageant les décideurs, les acteurs du secteur privé, la société civile, les représentants de travail, l'ensemble de l'écosystème de, de compétences pour aider à développer et utiliser conjointement des données probantes. Et finalement, juste un petit thème et guidance, s'il vous plaît. J'ai mentionné euh, maintes fois, mais laisse-moi mettre en exergue ce qu'on cherche. C'est ce qui pousse les choses à majeure, qui va changer le travail de faire euh, la transition pour un carbone euh, faible et d'autres sujets donc moteur changement transition de euh, bas carbone technologie numérique avancée point d'entrée système de développement et des compétences protection sociale résultats travail descente et mobilité commune on va regarder ça par le lentille de cette guidance d'expertise expertise multidisciplinaire expertise en matière de genre de l'inclusion capacité de gestion programme le mail et application des connaissances et finalement, on veut orienter aussi sur les résultats que les travails sont respectueux et la mobilité économique pour les travailleurs d'être adaptables et de travailler en perpétuité avec ces transformations dans les secteurs de la formation. Laisse-moi revenir sur la guidance, que la centrale, le hub qu'elle appelle, a un vraiment important rôle de coordination enseignement pour l'appui. Il y a une euh, des experts Chevronnés qui sont pas mal interlacés de construire ce euh, réseau. On regarde pour des, euh, des équipes multidisciplinaires, euh, des économistes, des, des experts de marché. Mais les deux euh, devraient être là. L'environnement, les changements climatiques devraient être euh, aussi plombés. Aussi expertise en matière de genre et d'inclusion, très important qui vous proposez dans votre travail donner le soutien aussi de, cap de capacité de gestion du programme, euh, mais l'application des connaissances et aussi d'être capable de gérer une grande initiative. Donc, on va évaluer des propositions basées de leur dynamisme, de leur euh, approche, les intersections de ces sujets et c'est quoi la capacité de livrer les objectifs. Mettre en exergue, donc, ces changements-là de... Euh, transition bas carbone, inclusion de gendre et aussi cap capacité de gestion sont vraiment importantes à ça dans une manière intégrée. laisse moi arrêter là et donner à Alejandra d'aller à travers des questions d'admissibilité de ou recevabilité. Merci, Julien. Je veux juste vous guider à travers... Euh, les Future Work Hub, les réseaux régionaux centrales. Ça veut dire quoi exactement ça? Comme vous êtes peut-être au courant, l'appel est un peu différent euh, comparé à d'autres séances auparavant pour des projets individuels. Laisse-moi vous dire au centre qu'est-ce qu'on attend des Hubs. Les centres établiront, géreront et soutiendront des réseaux de recherche dans les régions respectives en fonction du processus sélectionné concurrentielle. Quelque chose qui est essentiel pour supporter ça. Et ça, un, on veut avoir la cohésion, la coopération à travers des projets. On veut faire en sorte qu'il y a des liens à travers, ils sont interlacés, il y a une corrélation et l'initiative aussi vont contribuer dans, au somme de tous les projets. Les hubs au corps ont les objectifs. Un, pour établir, géreront euh, favoriser la recherche de haute qualité, donc qui est alignée avec les objectifs de CRDE. C'est aussi de diriger des stratégies et d'apprentissage de renforcement de capacité, de promouvoir les événements pour les rechercheurs, de faire en sorte que les acteurs clés dans l'industrie favorisent le réseautage durable et des partenariats intersectoriels. Et euh, euh, voilà, excusez-moi, favoriser un réseautage durable et des partenariats intersectoriels. De faire en sorte, c'est un euh, réseau de recherche, que l'intention là, les hubs, les réseaux centrales sont clés pour le développement et de, pour euh, euh, changer le, les connaissances et l'enseignement des pairs. Et après ça, on veut aussi euh, faire en sorte qu'il y a l'appui de la mobilisation des connaissances, c'est-à-dire qu'on va aider les décideurs qui euh, représentent le secteur privé, et le gouvernement, à travers des ensembles qui sont cohérents, de utiliser la preuve pour euh, mettre en place des meilleures pratiques. Les, les euh, hubs seront évalués dépendant comment ils vont être adressés. Laissez-moi mettre en exergue que euh, l'innovation est bienvenue. On va écouter de vous, de comment ça, ça euh, qu'est-ce que ça va donner comme image exactement. Et donc, aussi de, vous, de nous faire comprendre comment aussi la structure de gouvernance fonctionne pour vous. Il y a beaucoup d'espace ici pour l'innovation de ce que vous voyez dans ce euh, programme. Mettre en exergue aussi en même temps de place, cinq hubs au total, deux centres en Afrique, un pour couvrir l'Afrique orientale et Australie, et pour couvrir l'Afrique de l'Ouest et du Centre et en Amérique latine et dans les Caraïbes. ALC en Asie et en Afrique de Moyen. Ça, c'est pour avoir des activités de repart. Ça, c'est la raison. Euh, il y aura des appels dans votre région respective pour, parce qu'il y a une attente qu'on va. Euh, on va amener tout le monde ensemble pour faire une synthèse des résultats, euh, faire le état, enseignement, tous les éléments importants. Les hubs et ces clés, on, 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 on s'entend que les carrefour travaillent entre eux et avec une organisation de AC, c'est-à-dire euh, toute autre organisation. On attend qu'on travaille avec tous les hubs ensemble pour connecter le travail et aussi une attente aussi. Quand vous allez soumettre une demande, cette collaboration est euh, vraiment euh, montrée et, et devrait être là à travers de ce projet d'initiative. On attend que les hubs vont, euh, les responsables vont aider à, à des approches, à l'égalité des genres et identifier des défis communs, euh, des changements possibles pour le futur. Et la dernière, c'est les responsables de, de seront les seuls bénéficiaires de CRD accorderont une subvention secondaire corollaire d'autres participants. Donc avec des euh, organisations sélectionnées qui vont émerger de ce processus euh, pour cette raison-là, c'est que critique et les gens de, euh, euh, ont les deux techniques administratives et des capacités euh, d'être là. L'autre diapositive s'il vous plaît, Voici quelques-uns des principes et responsabilités de Carrefour. Euh, Aider à façonner un territoire de changement à une cadre de mail à l'échelle de Future works. Concevoir et lancer un appel des propositions concurrentielles ouvertes qui répondent aux réalités thématiques et régionales. Les, ça, c'est la raison pourquoi cette demande nous donne une échantillon de cet appel que euh, vous pouvez profiler, c'est quoi les questions plus nécessaires? Comment vous tenez, euh, donner le soutien aux projets de cette nature? Les projets sélectionnés sont gérés, suivis et financés par le Carrefour. Euh, euh, quatre ans, euh, un financement direct, si vous voulez, comme mentionné, et avoir une durée de quatre ans. Euh, la cinquième année est vraiment dévuée à d'autres activités. De, pour les résultats, etc. Aussi, deviez-vous que les approches intersectionnelles liées au genre soient au cœur de la conception ou déploiement de réseaux régionaux, de recherche à tous les aspects, c'est-à-dire les choix que vous allez utiliser et aussi tous les éléments de les hubs, les centrales vont faire, incluant la composition des équipes, les activités proposées, la position, les efforts, ce qui les l'audience de cible. Si vous avez des questions, en ce qui est trait là, il y a un lien. On sait quoi exactement lui, les qualités des gendres ou euh, des sexes et on, ce qu'on va dire avec l'intersectionnalité. Aussi, élaborer et mettre en œuvre des activités d'apprentissage par les pairs d'échanges de connaissances au sein des réseaux de recherche et souvent en collaboration entre les carrefours. Et aussi, soutenir les possibilités de synthèse et d'engagement stratégique pour positionner les résultats de manière itérative avec les décideurs. Maintenant, je vais passer le plancher à Paul qui va vous guider à, à travers les critères d'admissibilité ou de recevabilité. Voilà, oui, merci Guélien et Alejandra. Euh, Laisse-moi vous envoyer à travers les provisions qui, ont, euh, qui doivent provenir des individuels ou des concessions dans le PRFI pour la région concernée, pour les propositions qui, qui sont en premier lieu, euh, on va accepter des propositions, des organisations euh, euh, individuelles ou des consortiums qui sont dans les PRFI, dans les régions concernées et ou les régions concernées. Par exemple, Alejandra a indiqué cinq régions. Donc, si vous êtes dans, dans l'Afrique de l'Est, on vous attend aussi de former un consortium qui est basé dans cette région-là ou ce pays. On va donner plus de détails en ce qui a trait à ça. Et donc, en deuxième lieu, il faut, cet appel est ouvert aux organismes de recherche à but non lucratif et aux établissements également des enseignements supérieurs. Et les consortiums peuvent impliquer le gouvernement, le secteur privé, les agences des Nations unies, mais en tant qu'institution chef de file. Cet appel n'est pas ouvert aux particuliers. Ils pourront former un consortium. Euh, de le secteur privé ça peut euh, euh, impliquer les nations unies mais euh, pas en tant qu'institution chef de file si vous voulez euh, euh, de, ou des, des organisations privées coca-cola Toyota par exemple euh, des agences des nations unies ne peut pas vraiment être en tant qu'institution chef de file. Euh, par contre, cet appel n'est pas ouvert aux particuliers. Euh, si vous voulez donner, poser votre demande comme individuel, et on vous encourage de à poser votre demande comme une organisation. Que ça va donner quoi une organisation? Euh, L'organisation qui va mener devrait avoir une expérience démontrée et chevronnée dans la direction et le soutien des recherches de haute qualité de la domaine de la FOW aussi on veut avoir une, de démontrer à nous une, euh, euh, certaines choses connaissances à des priorités régionales et dans le domaine de la FOW et ça c'est un critère qu'on on, on va utiliser de identifier et les organisations fil les chefs de file. mais aussi également c'est important de euh, l'organisation qui va être menée ça à, à, à une capacité élevée avarée, à, à soutenir des réseaux euh, des analyses euh, et des partenaires y compris favoriser l'échange des connaissances et les possibilités d'apprentissage virtuellement ou en personne à distanciel ou en personne mais on veut voir également aussi un échange de euh, de, une capacité élevée à à soutenir des collaborations, des réseaux de partenaires euh, euh, à distance et en personne Elles sont vraiment primordiales. Donc, euh, donc ça devrait être solide et vraiment une organisation très bien plombée. Bien, euh, aussi, on va faire cette euh, évaluation des euh, à décentraliser leur expertise de la réalisation d'analyses comparatives. Est-ce qu'ils ont le potentiel de, de débourser des fonds à d'autres euh, euh, parties du monde et aussi, euh, c'est-à-dire capacité administrative avérée, y compris la gestion des projets, capacité à verser des fonds à d'autres dans différents pays, aussi capacité à travailler en anglais ou dans, et euh, en anglais dans les langues de travail de la région. Euh, euh, pour l'Afrique de l'Est et autre côté, euh, les autres parties, de être Afrique. Aucune restriction, sauf pour les deux langues euh, dépendant où vous êtes. Et aussi, plus important, la statue juridique indépendante et capacité de conclure des contrats en leur nom et en leur propre nom, de recevoir et administrer des fonds, avec le pouvoir de diriger les activités de projet proposées. Donc, cette organisation de LEAD qu'il appelle, qui est euh, chef de file, euh, on va regarder à leur capacité de euh, vraiment euh, chercher les fonds et administrer les fonds en même temps, concomitantes. Tout ça, ça requiert aussi euh, cette structure dans leur pays respectif. Ça, c'est l'idée. Nous sommes plus qu'heureux de vous fournir un peu plus d'informations. Euh, à la prochaine séance, si vous voulez, ma collègue Alejandra Vargas euh, pour vous, pourrait vous aider, et Guylaine Daoui. Merci beaucoup. Euh, merci Paul, je vois des questions qui commencent à vraiment se dans le chat. Et voilà, je vais, je vais juste prendre certaines questions. Il y a, oui, euh, comment euh, le IDC définir les futurs? Dans le contexte de cet appel et ce qu'on cherche exactement, c'est aussi les changements qu'on cherche, la transaction locale. L'avancement des technologies artificielles, IA et aussi les expertises, c'est vraiment, c'est plus important que ça, et l'expérience que vous avez est de euh, beaucoup de perspectives. Hold on, I'm just gonna write it down. To adapt drivers of change in the labor market. Yeah. You know, but the expertise that we're looking for should come through around, particularly labor market skills um, and these kind of major drivers of change. I hope that answers your question. Okay, there's a, a few more coming in. Um, I'll tackle a few and pass a few others to Paul. Donc, il y a une question. Est-ce que le leader doit avoir la consortium doit avoir deux leaders? Non. Vous avez besoin d'un leader. Le consortium doit avoir euh, le nombre de membres que vous pensez qu'il est prudent, mais il va n y avoir qu'un leader à la fois. Paul, pour vous, il y avait une question pour vous. Est-ce que les De vous devez montrer qu'est-ce qui sera le point d'axe dans la proposition. Donc, les institutions avec lesquelles vous collaborez doivent être définies. Par exemple, vous avez institution A et institution B qui vont se joindre. Et il va y avoir le centre, il va y avoir des sous-subventionnés ou des sous-boursiers. Donc, nous avons bien sûr un appel d'offres qui est compétitif à travers les centres. Donc, il y aura un deuxième, un second appel compétitif à travers le centre. Nous avons une question pour l'Argentine. Est-ce que nous pouvons faire une demande? Est-ce qu'on doit besoin, avoir besoin d'une institution canadienne? Est-ce qu'on. lieu, Je vais répondre à la question de façon générale. Donc, comme ça a été dit dans le document sur l'appel, les organisations de. des établissements d'enseignement de, supérieur et les organisations de recherche peuvent faire des demandes. Dans votre cas, en tant que. Organisable non lucratif, vous pouvez être dans le consortium. Avons-nous besoin d'une institution canadienne, un établissement canadien? Non, ce n'est pas une exigence. Bien sûr, si vous pouvez avoir une représentation canadienne, on peut le prendre en compte, mais ce n'est pas nécessaire. Au niveau de l'Argentine, est-ce que vous pouvez faire une demande? Oui. Donc, vous savez, dans le document, de dans la section de coups vous allez avoir euh, la section des questions fréquentes. Nous l'avons affichée parce que vous avez une liste de tous les endroits où la CRDI fonctionne. Il y a un lien et ça vous donne une idée de euh, tous les pays dans lesquels la CRDI opère. Donc, les seules restrictions que vous devriez savoir, c'est que une, nous sommes une corporation canadienne et nous sommes liés par des lois canadiennes. Donc, le gouvernement du Canada va décider pour plusieurs raisons. Ça peut être des sanctions que nous n'allons pas soutenir de la recherche dans certaines organisations ou certains pays. Cette information est disponible sur le site Web du Canada, donc nous sommes liés par ces lois. En général, nous travaillons en Argentine, nous avons des projets là-bas et notre mandat principal, comme vous le savez de cet appel, c'est de soutenir la recherche dans le sud global et dans les pays à faible revenu. Donc, il y a d'autres questions. Jillian, est-ce que les centres vont pouvoir faire leur propre recherche ou seulement à travers les appels de sous-financement? Euh, les hubs techniquement ne feront pas leur propre recherche. Ils vont définir euh, l'ordre du jour euh, de la recherche ils vont soutenir euh, les boursiers. Donc, il peut y avoir des activités en arrière-plan aussi qui dictent euh, ou déterminent. Euh, quels seront les points d'entrée, les éléments? Il va y avoir différentes formes de soutien pour pouvoir euh, impliquer activement les rechercheurs avec lesquels vous allez travailler. Et bien sûr, nous incluons, nous disons la bienvenue à différents euh, petits éléments comme des synthèses, etc. Mais pour euh, la recherche appliquée, ce sera les sous-boursiers et le centre va prendre le rôle d'établir l'agenda ou l'ordre du jour ou le plan d'action. Parfait. Donc, il y a une autre question, Paul. Les critères d'admissibilité sont dans le, le mandat. Donc, quel sera requis des organisations d'être à but non lucratif ou est-ce que les organisations à but lucratif peuvent faire une demande? Il y a une question. Ce n'était pas clair pour l'un des participants basé sur euh, l'admissibilité les gouvernements peuvent faire euh, une application directement. Oui, merci. Pour la première question au niveau des organisations internationales, on se concentre sur les organismes à but non lucratif. Donc, c'est clairement indiqué. En termes euh, au niveau du gouvernement, encore, c'est très clair, euh, moins que ça ait un lien direct avec le gouvernement. Nous ne pensons pas que c'est possible, donc nous encourageons le gouvernement de faire un partenariat ou de collaborer avec d'autres établissements. Donc les gouvernements ne peuvent pas être des organisations chefs, mais ils peuvent être des partenaires dans le consortium. Parfait. Jillian, je vais t'envoyer une question. Quel genre d'organisation sont admissibles ou non? Est-ce qu'une organisation à but non lucratif d'un pays à haut revenu peut être à la tête du consortium ou est-ce qu'elle doit être un partenaire? Et est-ce que les organisations à but non lucratif peuvent provenir d'un pays à haut revenu? Donc, pour les établissements et les pays à haut revenu, ils ne peuvent pas, ne peuvent pas être les chefs ou à la tête de cette euh, demande, mais ils peuvent être un partenaire euh, s'ils ont de l'expérience, ils amènent une dynamique importante et ils amènent de la valeur à la proposition. Ils, ne peuvent, ils peuvent être un membre du consortium. En termes des membres d'équipes d'organisation de pays à haut revenu, c'est correct, à moins que le pays soit dans L'organisation doit être dans un pays à faible revenu et doit avoir de l'expérience significative dans cette région, mais il peut y avoir des membres de l'équipe qui viennent de partout dans le monde qui travaillent dans cette institution et qui travaillent directement pour eux. Parfait. Donc, euh, je vais prendre une question de IB. Est-ce que des consortiums existants peuvent faire une demande? Donc, est-ce que vous voulez dire que vous avez déjà une bourse ou vous faites partie d'un réseau de consortium avec la CRDI Est-ce que vous pouvez faire une demande pour cet appel d'offres Si c'est le cas, oui, si vous avez déjà un consortium avec la CRDI, vous pouvez faire une demande pour cette proposition. Mais on va vous, on va évaluer quel rôle vous jouez et de s'assurer qu'il y a une justification que pourquoi vous auriez le temps et la capacité de bien faire ce travail. Mais il n'y a pas de risque friction euh, Si vous avez déjà une bourse avec la CRDI. Annette, c'est une question pour vous. C'est par rapport à la distribution du budget. Comment nous voyons la distribution pour les opérations du centre euh, versus l'argent qui va aller dans les bourses et le maximum, le montant maximum pour chaque bourse? Nous n'avons pas un pourcentage fixe pour la recherche, mais comme vous le savez, il y aura une organisation de co-demandeurs euh, dans tout euh, ce qui est relié avec les co-demandeurs. Euh, vous devez utiliser le modèle qui vous est fourni. Donc, on s'attend qu'il y aura plus euh, de montants alloués pour les inaudibles. Merci, Annette. Donc, dans la demande, on n'a pas déterminé de montant de pourcentage minimum ou maximum. Donc, le maximum que vous pouvez demander en termes de financement est de 1,5 million. Mais les critères d'évaluation évalueront si la majorité des fonds sont investis dans des recherches, des activités de recherche. Donc, ça va être basé sur votre proposition. Comment est-ce que votre budget a été établi et si ça fait du sens pour atteindre des, les objectifs de l'appel de proposition, l'appel d'offres. Donc, est-ce qu'une équipe peut diriger le hub ou est-ce que tous les leaders doivent venir de l'institution principale du hub ou peuvent-ils être affiliés ailleurs? Si je comprends. S'il y a un pays ou un enquêteur personnel, mais vous pouvez avoir des co-pays ou des co-dirigeurs, dirigeants qui sont dans une structure acceptable de leadership, vous pourriez avoir un comité directeur, ce genre de choses. Donc, tous les dirigeants en termes d'individus, ils ne doivent pas nécessairement provenir du même institut. Ça peut être partagé, si j'ai bien compris la question. Donc, en question, en cas d'une demande de l'Inde, est-ce qu'il y a des processus d'approbation additionnels requis du niveau du gouvernement? Oui, il y a des processus additionnels pour l'Inde. C'est une question que vous pourriez envoyer par courriel à crdi.ca. Nous pourrons vous parler de, cette, de cela. Donc, nous avons des étapes additionnelles que le gouvernement peut prendre. Ça peut prendre trois, six mois. Et bien sûr, il et aussi les exigences de subvention. Il faut les garder à note. C'est une question pour vous. Euh, euh, le consortium pour, pour être, être caucasien africain. Euh, oui. Excusez-moi, le consortia pourrait être aller à travers de l'Afrique. Par contre, on encourage euh, si vous êtes, euh, il faut mettre votre concentration sur la région que vous marchez sur. Par contre, il y a une possibilité d'aller à travers de différentes parties du continent et peut-être vous voulez inviter les appels d'offres de différentes parties de l'Afrique. Et aussi, c'est permissible. C est, mais encore, laisse-moi mettre en exergue et retirer, on encourage la concentration sur les régions euh, il, où ils sont euh, localisés. Et, et c'est peut-être. Peut euh, euh, mais c'est possible aussi d'inviter des propositions à l'extérieur de la région. Il y a une question de Sharia sur l'élaboration. Qu'est-ce que vont dire avec un statut légal? Euh, elle devrait être une entité enregistrée à l'intérieur de ce pays-là. C'est quoi exactement cette question contentieuse et légale? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vont dire en, avec, quand on mentionne statut légal? Cette organisation, est-ce qu'il devrait être inscrit dans ce pays-là exactement? Vous devriez avoir une, une inscription que dans le pays que vous faites opération. Comme ça, vous pouvez rentrer dans les accords. Ça, ça, comme une entité légale, vous devrez avoir des documents de société corporative pour être, euh, être capable de euh, traiter les côtés pécuniaires financiers. Euh, maintenant, pour, dé pour débourser les, euh, les fonds. Euh, à cause de ça, cette euh, hub centrale est vraiment importante parce que les organismes en question vont vraiment débourser des fonds dans un temps réel à travers des pays aussi. Et donc, il y a une question. Depuis que euh, vous acceptez les demandes des individus, euh, vous pouvez. Euh, Poser vos demandes comme une organisation individuelle, mais une chose, il faut démontrer comment cette organisation individuelle euh, va remplir tous les critères euh, de partager les connaissances, de pousser les résultats, de partager des approches intersectionnelles, intersectorielles. Euh, et, et sinon aussi les attentes des consortiums de faire en sorte que vous avez un groupe de résultats qui est cohérent qui vous permet d'accomplir euh, ce que l'appel d'offres est vraiment, euh, est là, euh, le but de cet euh, appel d'offres est là pour et, et il y a une question sur qu'on pourrait demander comme une individu euh, d'une organisation individuelle et, et après ça on va être euh, on va être sur une liste, de, et sur l'égide d'une liste présélectionnée basée sur nos travail. Si j'ai bien compris, et un, vous pouvez poser vos demandes, comme je viens de mentionner, deux, mener un hub, une centrale, comme une, individu, une organi organisation individuelle, ou d'être pour faire partie. Mais vous ne serez pas mis sur une légide ou mettre ensemble euh, sur certaines hubs. Et pas des obligations individuelles de vraiment tomber sous l'égide de n'importe quel hub ou centrale qu'elle appelle. Soit des consortiums et, subséquentement, ça va aider les responsables, Ils vont décider et lancer des appels d'offres de concurrence. À ces entrefait là les demandeurs pourront poser leurs demandes et pour avoir une sous subvention des hubs directement par ce biais. Il y a une question donc le consortium peux-tu l'appliquer quand même donc oui le consortium le n'est consortium pas nécessaire d'être formé maintenant. Vous pouvez avoir un consortium qui existe tellement comme le consortium africain de l'économie qui rassemble un grand nombre de différentes euh, parties prenantes sur l'organisation. Vous pouvez faire une demande tant que vous rencontrez les critères qui ont été listés plus tôt. Merci. Donc, Julien, lorsqu'on parle d'institutions collaboratives ou qui collaborent, est-ce qu'on parle de consortium? Oui, je pense qu'on utilise différents termes pour différentes choses, mais n'importe quelle organisation que vous voulez assembler pour faire une demande, vous allez avoir un responsable et ensuite d'autres membres qui sont des collaborateurs ou des co-applicants, donc quelques termes que vous désirez utiliser. C'est pour vous, Julien. Combien de thèmes sont sont euh, permis par hub ou par euh, centre. Donc, nous n'avons pas vraiment de limite euh, sur euh, ce nombre, mais ce qui est important, c'est de comprendre euh, que nous regardons cette intersection et la façon que ces différents éléments qui poussent la technologie, la transition à faible carbone, comment ça joue un rôle. Donc, c'est sûr qu'on veut voir ces deux thèmes intégrés. Et ensuite, vous, vous pouvez avoir d'autres questions intrinsèques qui sont, ou des détails qui sont inclus, mais ce sera déterminé par rapport à votre propre expertise, votre propre évaluation du besoin de la région et des pays dans cette région et ainsi de suite. Donc, ça va être au cas par cas, mais je vous je ne dirais pas qu'il y a une limite sur le nombre de thèmes, mais il faut vraiment s'occuper des thèmes clés, comme le zéro carbone et l'égalité des sexes. Donc, il y a une question sur la par rapport à combien de propositions peuvent être envoyées par une institution responsable ou une institution chef. Donc les demandeurs peuvent soumettre plusieurs demandes mais pour être clair si vous êtes vous avez l'intention d'être responsable du du centre vous pouvez être vous pouvez soumettre une seule proposition donc si vous voulez collaborer sur d'autres demandes vous pouvez le faire mais vous pouvez faire une demande seulement qu'une fois pour être responsable d'un projet Paul, est-ce que les bureaux mondiaux basés dans l'Amérique du Nord pour des organisations de multiples organisations peuvent-elles faire une demande ou est-ce que ça doit être, être le bureau régional? Comme nous l'avons dit auparavant, cet appel, c'est pour les organisations qui sont basées dans le Sud et l'organisation responsable doit être, doit être basée dans le Sud. Donc, si vous êtes une organisation mondiale basée dans l'Amérique du Nord ou où que ce soit, vous ne serez pas le responsable du projet, mais vous pouvez faire partie du consortium. Encore une fois, si vous êtes une organisation mondiale et que vous avez un bureau régional, ce bureau régional doit avoir la capacité d'envoyer des bourses, d'envoyer des demandes pour euh, distribuer des fonds et de recevoir des fonds au nom de votre organisation. Si cet organisme n'est pas en mesure de recevoir ou de gérer des bourses au nom de l'organisation, à ce moment-là, cette organisation mondiale ne peut pas faire une demande. Donc, nous mettons l'emphase sur le fait que l'organisation responsable doit être dans le sud. Julianne, il y a une question par rapport à est ce qu'un centre doit comprendre des organisations dans le même dans le même pays ou est ce qu'un centre de différents pays avec des organisations dans différents pays peut faire, faire une demande? La composition du hub est très flexible. Le responsable doit être dans la région. Les autres membres du consortium ne sont pas obligés de venir du même pays, mais ils doivent avoir vraiment un intérêt focalisé sur ce pays. Mais c'est correct que s'ils viennent de d'autres pays, il n'y a pas de limite ou de problème à ce niveau-là. Donc, on demande est-ce que tout le consortium doit être mentionné au moment de la demande ou est-ce que nous pouvons former des partenariats plus tard? il y a une deuxième question. avons-nous besoin d'étayer les détails financiers et organisationnels dans la demande? donc, idéalement, lorsque vous soumettez une, une demande, vous aurez l'idée du consortium, nous, ça, nous attendons que vous ayez des conversations significatives sur ce consortium. Donc, il faudrait y avoir un mécanisme pour justifier la façon que ce partenariat fonctionnerait, mais ça n'exclut ne, pas que par la suite, vous identifiez d'autres membres. Qui pourrait renforcer votre consortium pour pouvoir cibler vos objectifs euh, de façon plus appropriée. Donc, c'est correct qu'il y ait de nouveaux membres qui se joignent plus tard. Mais bien sûr, pour votre demande, nous voulons que vous soumettiez une composition solide de membres de votre consortium. Est-ce qu'on doit soumettre les détails financiers et organisationnels des partenaires ou du responsable? Donc, vous allez voir dans l'appel d'offres, vous devez de fournir les détails de qui sont les autres membres du consortium, l'organisation, les sites web. Nous nous attendons également dans la demande que vous détaillez quel est leur rôle respectif, qu'est-ce qu'ils vont contribuer dans le projet. On ne s'attend pas à ce que vous présentiez plus de documents par rapport aux finances. On s'attend que vous ex incluiez un budget qui est sous la catégorie de la recherche et qui inclut toutes les dépenses pour les membres du consortium. On s'attend également à ce que vous présentiez cette lettre qui souligne l'entente entre les différents partenaires qui participeront de façon active dans la recherche. Donc j'espère que cela clarifie la question. Il y a d'autres questions. Est-ce que des membres du centre peuvent être éligibles pour faire d'autres appels d'offres pour le hub lui-même ou pour le centre lui-même? Donc, si je comprends, est-ce que les membres d'un consortium peuvent par la suite faire une autre demande? Non, je crois que ça créerait un conflit d'intérêts et je dirais non. Donc, les responsables du consortium doivent être responsables de façon exclusive pour la gestion de ce réseau, de mettre en œuvre le plan d'action et d'établir les lignes directrices. Mais par la suite, vous ne pourriez pas faire la demande. Donc, peut-être que vous pourriez attendre que cet appel d'offres euh, se termine et que vous pouviez faire un autre appel d'offres. Mais c'est à vous de décider. Oui. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a une attente que les réseaux centraux ou les centres euh, vont faire euh, plusieurs demandes. Donc, vous devriez déterminer qu'est-ce que vous désirez faire, être partenaire ou faire une demande un individuelle. Donc, on me demande si cette séance est enregistrée et qu'elle sera partagée. Oui. Vous allez remarquer maintenant sur le document, l'onglet qui est le quatrième onglet à la droite. Vous verrez une copie des documents fréquemment demandés. Donc, vous avez ici une base pour votre demande, vos demandes. Et ça me fera plaisir à tout moment, si vous avez besoin de clarification additionnelle, envoyez-nous un courriel. Notre adresse courriel est fow.crdi.ca et je vais l'afficher dans le chat. Donc, vous avez, vous pourrez poser des questions. Est-ce que des chercheurs d'une organisation internationale qui est située à l'extérieur de la région peuvent faire partie du consortium? Paul? Oui, nous ne faisons pas de restrictions par rapport aux membres du consortium. Ils ne sont pas obligés d'être dans la région. Donc, nous ne voulons pas confiner les connaissances à une région particulière. Donc, si un consortium décide d'inclure des membres de d'autres régions, par exemple du continent africain, donc c'est admissible. Vous n'avez. Qu'à être conscient que les autres régions ont des appels d'offres similaires et soyez conscient, assurez-vous de ne pas avoir différentes, euh, différents chapeaux de leaders dans différents appels d'offres. Comme je l'ai mentionné plus tôt, il est possible pour vous d'être responsable que d'un seul consortium. Vous ne pouvez pas être un membre dans l'Afrique de l'Ouest et diriger dans l'Est de l'Afrique et d'être un membre dans l'Est et être dirigeant dans l'Ouest. Donc, on ne permettra pas ça. Vous ne pouvez être dirigeant que dans l un seul des consortiums. Donc, on peut remettre de l'emphase sur certains points. Donc, je vais commencer par l'un des points. Donc, Julianne, quelle est la relation entre le consortium et les sous-bénéficiaires? Donc, la relation entre ces deux groupes, c'est que le consortium sera le responsable, le centre pivot. Ils vont créer les appels d'offres, ils vont identifier les sous-bénéficiaires et ils vont gérer ce réseau pour cette durée de cinq ans du programme. Donc, vous allez travailler directement avec les sous-bénéficiaires de différentes façons. Donc, les choses que nous aimons voir, c'est que vous donneriez du soutien pour renforcer l'inclusion des, des genres ou l'égalité des sexes ou peut-être des questions par rapport au changement climatique ou l'avancée de la numérisation, tout ce genre de choses. Donc, vous aurez vraiment un rôle clair de participation. Vous allez travailler en concert avec les sous-bénéficiaires pour leur faire avancer leurs recherches, mais aussi de s'assurer que les recherches qu'ils font soit significative au niveau du contexte, qu'ils aient un plan, une politique, des connexions avec d'autres utilisateurs basés sur les données probantes. Donc, ultimement, vous allez utiliser toutes les données de tous les différents projets pour pouvoir faire des synthèses et de créer une visibilité et de faire un lien. Donc, il y a vraiment une gestion solide du réseau. Alors, une approche de gestion du réseau qui est importante. Vous allez être engagé et vous allez travailler de très près avec ces sous-bénéficiaires. Donc, il y a une question. Est-ce que les consortiums doivent inclure tous les points clés ou les indicateurs clés dans l'appel la, d'offres ou est-ce qu'ils peuvent en choisir qu'un seul? Bon, comme vous l'avez vu dans la demande, on s'attend à ce que vous indiquiez quelle serait la question clé de recherche que vous allez éventuellement poser aux personnes. Donc, si vous voulez concentrer sur un seul sujet, c'est correct, mais ce que je vous dirais, c'est que vous devez nous donner l'essence complète, un échantillon de la façon que ça démo pour démontrer comment vous, en tant que centre privé, vous pourriez répondre aux questions. Donc, vous voulez mettre votre, euh, nous montrer votre meilleur visage. Pourquoi vous avez choisi cette question? Pourquoi c'est important? Dans la réalité de, du domaine du travail à venir dans votre région. Et vous devez nous donner aussi le type d'appel d'offres que vous allez soutenir et quel genre de thème et d'administration vous allez aider et aussi la traduction, les points clés, toutes ces caractéristiques clés. Comment vous allez soutenir tout ça dans l'avenir? Donc, c'est ça qu'il faut établir. Paul, combien d'appels d'offres compétitifs, est-ce que les centres pivots, on s'attend à ce que les centres pivots auxquels ils vont répondre dans les cinq prochaines années, donc à combien d'appels d'offres compétitifs on s'attend à ce qu'ils vont répondre? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas de critères par rapport à combien d'appels vous allez lancer, mais nous allons discuter de cela avec l'équipe de CRDI, à savoir quelle est la nature de cet appel d'offres et combien de demandeurs peuvent être admissibles pour ces appels d'offres. Donc, nous ne faisons pas de prescription à ce point-ci par rapport à cela. Si vous devez avoir trois ou quatre appels d'offres ou plus ou moins, ce sera déterminé selon le niveau de succès de l'organisation, le niveau, le, le contexte, le thème et ça va être cas par cas. Merci, Paul. Dorothy. Donc, euh, si vous faites une demande pour être chef d'un centre pivot, vous voulez faire partie du consortium et que vous êtes sélectionné par la CRDI, donc, à ce moment-là, vous ne serez pas éligible ou admissible à recevoir euh, du financement d'appels d'offres euh, compétitifs que le centre de pivot voudrait gérer. Donc, ce serait un conflit d'intérêts et ce ne serait pas possible. Donc, il y a quelques questions répétées. Rosa demande, est-ce qu'une organisation peut faire plus d'une demande? Nous avons répondu que oui, vous pouvez, mais si vous désirez être à la tête d'un centre pivot ou être chef ou responsable d'un centre pivot, vous ne pouvez faire cette demande qu'une seule fois. Donc, j'essaie de voir s'il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. Peut-être les questions en français. Oui, c'est vrai. Oui. Jillian, une pour toi. Est-ce que le département universitaire peut faire une demande? Oui, bien sûr. C'était facile à répondre. Peut-être que oui pour le département universitaire, mais le signataire de l'université doit être très clair. Ce n'est pas nécessairement le responsable du département. Le responsable du département, les chercheurs seront les enquêteurs principaux, mais le signataire sera l'officier de. le responsable des comptes de l'université. Comment est-ce qu'on peut définir le pays à haut revenu? Est-ce que vous avez le GDP? Est-ce que vous vous concentrez sur le PIB? Donc, vous pouvez trouver les définitions des critères que nous utilisons sur la banque de données. Donc, nous avons une définition pour les pays de faible revenu, moyen revenu moyen élevé et élevé. Donc, vous pouvez voir euh, sur cette liste où vous, vous vous situez. Donc, il y a une question. Est-ce que le secteur privé peut faire partie d'un consortium? Oui, le secteur privé peut faire partie d'un consortium, mais ils ne peuvent pas être à sa tête. Paul, il y a une question. Si un pays, donc, le Colombie est un pays moyen élevé, donc, ça veut-tu dire qu'ils ne peuvent pas être à la tête d'une proposition? Donc, peux-tu peux encore clarifier quel genre de recherche nous soutenons? Donc, les pays qui peuvent être à la tête d'un centre-pivot doivent être les pays avec un statut de faible revenu. Donc, comme Julien l'a dit, nous avons une catégorisation claire que nous utilisons avec la World Bank, donc la Banque mondiale. Donc, allez voir où est-ce que la Banque mondiale vous situe en tant que pays et vous verrez si vous êtes éligible pour être chef ou responsable d'un consortium. Si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez vous créer un partenariat avec un pays à faible revenu. Donc, cette clinification sera le guide principal. Nous n'en dévirons pas. Merci, Paul. Est-ce que les centres pivots doivent faire un budget pour les évaluations indépendantes? Est-ce qu'il y a une orientation pour, à savoir euh, combien, quelle part du budget doit, doit être allouée pour faire cela? Désolée, Alejandra. Peux-tu répéter? Donc, est-ce qu'il y a une orientation par rapport euh, au budget total qui peut être utilisé pour des évaluations indépendantes? Ou est-ce qu'il y a d'autres dépenses que les gens doivent prendre en compte? Nous avons des orientations là-dessus. Donc, la première chose au niveau de l'évaluation, ça doit être déterminé par l'équipe. Si vous voulez inclure une évaluation dans un projet de cette envergure, ce serait une bonne pratique et ça devrait être inclus dans le budget et dans la proposition que vous allez nous soumettre. La limite, j'ai vu une question de limite. Donc, la CRDI a une limite de 30 pour les responsables et tous les partenaires en termes de coûts ex, de, de surplus. Donc, en termes d'orientation, il y a des questions par rapport euh, au budget pour chaque sous-bénéficiaire et ensuite détailler le budget pour euh, les les institutions responsables, le consortium et les sous-bénéficiaires. Donc, ce n'est pas clair, ça doit être déterminé par du cas par cas, dépendamment de la structure que vous prévoyez pour votre centre pivot. Donc, nous n'avons pas d'orientation stricte, mais ce que nous dirions, c'est que nous voulons que la majorité du financement soit investie dans la recherche vers ces sous-bénéficiaires. Vers, euh, de 60 à 70 Donc, encore une fois, c'est basé sur la valeur de ce qui est présenté dans l'appel d'offres en termes d'activité de, sout de soutien, tout ce que vous avez investi comme énergie pour créer le réseau, le structurer, de, le gouverner, etc., etc. Ça doit être déterminé, passé sur ce travail. Mais nous allons aussi évaluer la valeur euh, en comparant combien d'argent est investi dans la recherche et combien d'argent est investi dans les fonctions du centre pivot. Donc, au niveau des évaluations, c'est à vous de vouloir euh, le déterminer, mais nous recherchons de la recherche significative et pertinente. Donc, on ne, recherche, on ne veut pas vraiment des plus petites activités. Bien sûr qu'il peut y en avoir de toutes les sortes, mais ça doit être une recherche significative qui peut perdurer pendant quatre ans. Donc, gardez ça en tête et essayez d'établir quelle serait une limite de budget raisonnable pour ce genre de recherche. Donc, pour d'autres questions par rapport au budget qui auraient pu être dans le chat, Alejandra, je ne sais pas si tu voulais en, en partager d'autres. Donc, je vais donner la parole à Annette. Il y a quelques questions. Donc, Annette, si tu voulais répondre aux questions, genre, pouvons-nous financer des chercheurs au doctorat? Donc, je vais te donner la parole pour répondre à toutes ces questions par rapport au budget. Merci. Oui, vous pouvez inclure euh, des doctorats. Ça doit être euh, reflété dans la formation. Nous n'avons pas eu montant maximal, euh, maximum pour les équipes. C'est quelque chose que Juliane a déjà dit. Ça doit être euh, déterminé par le centre pivot, dépendamment du rôle et de la responsabilité de chaque équipe. Ça dépendra de la structure du centre. Il y a d'autres questions par rapport aux états financiers, les exigences pour que le centre pivot devrait démontrer pour pouvoir se qualifier à recevoir une subvention. Donc, les, le centre pivot devrait enlever, envoyer un état financier mis à jour et audité et vérifié. Nous allons demander de la documentation supplémentaire, par exemple une politique d'approvisionnement, des politiques de financières. Donc, principalement, ce sera l'état financier vérifié et nous acceptons des états financiers non vérifiés également seulement pour la demande. Donc, nous allons faire des réponses rapides maintenant. Donc, les chartes et les graphiques inclus dans la demande. Donc, on ne vous permettra pas de faire cela. Aussi, les recommandations, s'il vous plaît, téléchargez le formulaire, remplissez-le dans Word et copiez-coller les différents champs dans SMA. Donc, de cette façon, vous êtes certain d'avoir une version sous forme de Word si vous avez des difficultés. Il y a aussi des attentes au niveau des plans de travail et les documents que vous devez téléverser. Donc, vous pouvez utiliser des tableaux, des fichiers Excel, etc. C'est correct. Mais pour les réponses aux questions dans la demande, nous, vous ne pouvez pas euh, inclure des graphiques ou des tableaux. Ce ne sont que pour des documents attachés que vous pouvez inclure, comme le plan de travail. Vous verrez que le budget a déjà un modèle sous forme d'Excel, donc ça doit être configuré de cette façon. Mais les, dans les champs de questions, vous ne pouvez pas inclure des hyperliens ou ajouter des tableaux, et il y a un nombre limite de mots. Um, you know. Absolument, on pourrait ajouter l'espagnol comme la troisième langue, euh, certainement. Et on va Mais une chose, Emmanuel, et juste pour la clarté, on sait qu'ils ont des atteintes en, te, en termes d'admissibilité. Les centres pivots devraient euh, opérer en anglais et l'autre langue. Donc, on attend des euh, centres de pivots euh, américains de parler en espagnol, de en espagnol et de, en anglais aussi. Donc anglais comme euh, le, la langue euh, fixe, si vous voulez. Donc, euh, cet centre de pivot devrait euh, choisir peut-être directement de cet consortium. Oui. Je ne sais pas si je suis euh, clair sur la question, mais. Euh, si vous voulez être dans un centre de pivot et vous n'êtes pas admissible d'être mené cette table là quelqu'un qui est vraiment admissible pour vraiment être le leader dans un centre de pivot, mais si vous demandez s'il pouvait faire la connexion après le, les offres qui sont soumises, non, on va travailler avec des centres de pivot qui sont complets, pleins et entiers. Et donc, euh, ça, absolument. Euh, les universités publiques sont admissibles euh, pour les financements, oui. Combien de projets pour être financés par un centre de pivot A-t-il un plafond On n'a pas une, un minimum ou un maximum montant qu'on met dans la demande de combien de projets on attend un centre de pivot de appuyer, mais euh, on veut mettre en exergue, On attend que on, ça, ça devrait être une euh, chiffre euh, importante pour le financement. Donc, on veut ça refléter dans le budget et dans votre demande. On n'a pas, on ne détermine pas ou on ne peut pas prédéterminer ça. Un partie des attentes dans la demande, vous avez mis en place combien, euh, c'est quoi votre intention de donner l'appui avec quel budget, comment vous allez le gérer. Un centre de pivot de cette grandeur basé de, sur votre demande déposée. Maintenant, toutes des, des dépenses euh, pour des centres de pivot. On parle, euh, adresser la question aussi des frais généraux. Euh, maximum de 13 dans des appels indirects. 13 est calculé sur le total coût. Aussi, les app demandes de co appliquants et ceux qui sont en retard aussi. Donc, ça, c'est les frais généraux, les overheads. Il y a aussi des questions sur les thématiques aussi. Euh, euh, qui, qui pourrait être, quoi, quoi pourrait être recevable, si vous voulez. Je ne vais pas sur chaque thème spécifique qui est proposé ici. Par contre, euh, je vous encourage de regarder à cet appel d'offres, de voir quelles questions indicatives de recherche et thématiques impliquent de faire cette détermination et cette décision de quoi que vous cherchez de déposer dans votre demande exactement. Mais peut-être je vais vous faire référence à votre appel de documents. Une question aussi est-ce que vous devrez adresser dans votre appel d'offres toutes les questions de recherche indicatives Ça c'est une autre question. Et la réponse est non. La réponse est non. Et si vous avez des suggestions, quelles d'autres des questions de recherche sont pertinentes C'est ça qu'on veut voir en effet. De que vous pouvez réfléchir dans votre demande. Un, pour la dynamisme de la région, euh, Aussi, si les connaissances sont les plus importantes aussi. Mais, on, comme déclaré dans cet appel ap d'offres, des questions indicatives de recherche. C'est ça qu'on a déclaré. Mais ça ne vous empêche pas d'ajouter de, de, de ça ou de penser un peu différente de, en ce qui a trait à votre ap appel d'offres. Une, une, une compagnie privée impliquée dans la recherche. Est-ce qu'ils est qu pourront poser leur demande Il n'y avait pas avec des professionnels dans diverses. Oui, je pense aussi euh, une compagnie privée qui travaille sur la recherche. Est-ce qu'ils pourront poser leur demande Oui, un euh, organisme de secteur privé sur, avec concertium, Oui. Est-ce que vous pouvez plus tard rentrer dans une collaboration conjuguée est joint d'un autre centre de pivot ou faire partie de différentes demandes de centres de pivot. Oui, mais ça pourrait arriver à la faire à une demande. Comment une organisation pourrait complémenter sa capacité de la consulium de traiter. Elle n'a pas euh, terminé sa phrase, l'interlocutrice. C'est exactement que Pas Inaudible. Inaudible. Euh, oui, vous pouvez être plus fort dans un euh, secteur et pas dans un autre. Et on pourrait avoir un partenaire qui pourrait euh, amener cette faiblesse et vraiment et balancer les choses. Si tous les membres devraient être du, con, des partenaires de conseil ATM ou ce euh, groupe qui mène la file, oui, c'est issue de l'organisation qui va l'aider, ce euh, centre de pivot ou euh, dans les attentes qu'il faut remplir, il faut choisir euh, euh, lesquelles vous allez su, euh, mettre jusqu'à cinq avec PDF, attachement, les cinq qui vont démontrer les fourchettes des ensembles de qui qu'on devrait faire une révision en termes des capacités de cet individuel pour être le centre pivot pour la demande en question. Anna Miranda de Paul, des sous est-ce que pourrait euh, euh, être offert à des chercheurs euh, jeunes. Oui, des su, euh, subventions qu'on appelle, euh, oui, ils sont fondés, s'il est bien fondé, si vous voulez, sur la valeur probante. Euh, un étudiant, c'est une offre de ce contrat qu a, qui est acceptable, pourquoi pas? Et c'est pas que la subvention euh, va financer des études, non. Et donc, cette pourrait être intégrée dans ça. Oui, oui, il, on pourrait euh, octroyer une subvention à cette personne-là. Certaines questions sont... Euh, il y a une répétition, donc euh, je vais essayer de tacler de celles qui sont peut-être légèrement différentes. Mais je vous encourage une autre fois, si vous allez dans les euh, des questions, des foires des questions fréquemment demandées, qui donnent beaucoup de réponses à votre question aussi. Je pourrais, on a le courriel FOW au ou le CRD.ca en français. Vous pouvez envoyer la question et attendre une réponse dans un temps opportun dans notre équipe, de votre, notre équipe. Et aussi, le document n'est pas juste disponible ici, mais aussi disponible dans la demande en soi. Vous pouvez le télécharger et avoir l'accès à ça. Il y a une question euh, de partenaire. Annette, si j'ai bien compris la question, vous pouvez parler à comment le processus pour les subventions fonctionne avec euh, l'organisation la, la, qui mène. Euh, euh, et aussi, un membre de ce centre de pivot, comment ils vont débourser les fonds en question aussi? Le, le CRDA va aller dans une accord, va Transférés qui euh, euh, ils vont aller dans les comptes des. C'est la responsabilité de cette euh, demande de transférer les fonds aux co demandeurs si vous voulez, et les subventions qui vont sélectionner aussi. julien il y a une question de Paul. Si on a des, des recherches accessibles qui sont publiques, euh, euh, pour inclure euh, l'intelligence artificielle dans cet appel? Oui. Oui, il y a certaines choses, euh, juste un petit arrière-plan, si vous voulez, c'est intéressant aussi. Il demande aussi sur le côté technologique, il y avait plusieurs initiatives à travers de la CRDA. Un, c'est Future Work dans le Sud Global Sud et ou aussi les femmes qui travaillent dans une économie de plateforme et d'autres initiatives le rôle de la technologie et aussi la perpétuité euh, la technologie qui est en perpétuité si vous voulez le CRDA AI pour D l'intelligence artificielle mais un document clé c'est le papier vierge si vous voulez euh, sur euh, intelligence artificielle ça vous donne une excellente euh, ensemble de vues ou seul vol si vous voulez et comment ça change euh, comment ça a changé les derniers mois sept des types de euh, euh, intelligence artificielle qui pourrait avoir un impact au milieu de travail mais aussi une opportunité pour une euh, nouvelle recherche qui prendra, prendra lieu dès le euh, 20 et donc ça n'a pas été fait à date parce que tous les modèles à date, sont, ils viennent de euh, vraiment avoir leur propre naissance, si vous voulez, mais d'avoir une excellente euh, compréhension. Il y a cette euh, papier vierge qu'on appelle le white paper. Et voilà. Sandra a demandé s'il y avait une un format un format standard. Non, euh, les demandeurs pourraient euh, déterminer en termes de structure, gouvernance et il faut démontrer aussi comment la structure est alignée avec des objectifs politiques aussi. Est-ce que l'enquêteur le, principal, est-ce qu'il devrait être de cette institution qui mène les affaires? Est-ce que vous voulez adresser celui-là? C'est une in question intéressante dans le sens que le CRD, il y a l'enquêteur le, le, euh, principal. Et le leader, le consultant de lead, euh, disons que A, euh, station A, fait col collaboration B, mais station B est la haute, le signataire du directeur exécutif de cette institution. Par contre, on pourrait trouver que l'institution B donne le leadership à cause de son connaissance technique, pas l'administrative. Et donc, ils vont donner. Vous pouvez avoir l'institution B fournir être les connaissances techniques ou l'enquêteur principal. C'est possible que l'enquête principale n'est pas forcément vient de cet centre pivot principal, mais de l'institution numéro B. C'est possible d'avoir CEDPE d'une différente organisation, mais l'autre euh, euh, la recherche, le centre de pivot et l'agent et le exécutif. Le, le, exécutif euh. Merci beaucoup. Je vois Julien aussi. Euh, en ce qui a trait l'intelligence référence de cette papier VH, qu'on appelle. Aussi, dans le chat, dans la boîte de clavardage, il y a le lien pour cet appel. Euh, C'est un livre blanc, en effet, fait, un papier blanc. Euh, euh, des questions euh, des, euh, fréquemment. Et le document est, est disponible sur notre site Web sur l'égide de cette catégorie de financement. C'est accessible. Si vous voulez le partager à votre, votre propre réseau, vous pouvez le faire. Je vais tacler deux, trois questions aussi en répétition. Et on va voir. A-t-il un minimum budgétaire spécifié pour une organisation? Nat vient de parler de ça, mais si vous voulez avoir donné un peu de clarté sur ça, s'il y a des exigences de budget que les personnes doivent connaître pour l'institution de lead, cette organisation de leadership, des capacités stratégiques parce que c'est un projet de région et devrait gérer les financement significatif et la capacité de euh, à l'autre station. Ça c'est l'organisme responsable, l'organisme principal qui en parle. Addressed in one way or another kind of all of the questions here session. applications Donc, les demandes sont dues le 26 juin. Si à tout moment vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel à le futureofwork@fowcrdi.ca f o w -C et vous allez pouvoir recevoir une réponse dans quelques jours d'un des membres de notre équipe. De plus, nous avons un document de questions fréquentes dans la section des documents. Vous allez pouvoir retrouver des réponses. Si d'autres questions surgissent, nous allons mettre à jour la liste des questions fréquentes. Donc, vous pouvez les consulter souvent parce que nous allons essayer de répondre et d'ajouter des questions qui vont, euh, des questions émergentes. Donc, tout le monde va pouvoir euh, voir les réponses que nous avons déjà données à d'autres participants. Si vous avez de la difficulté sur euh, les façons de faire une, une demande, vous devez nous contacter. Ne le faites pas à la dernière minute, au moins deux jours avant que la demande soit due. Donc, euh, il y a plusieurs sections à compléter dans l'admission. Donc, il y a le format formel de demande. Il y a également des documents accompagnateurs que vous devez envoyer. Comme ça inclut le plan de travail. Envoyer un modèle de budget, les membres d'équipe que vous désirez que nous révisions. Donc, lorsque vous allez faire l'appel de soumission, vous allez remplir le formulaire de demande et à la gauche, vous verrez toutes les sections qui doivent être remplies. Je vous recommande, de ne cliquez pas Envoyer la demande jusqu'à ce que vous ayez complété tous ces champs. Sinon, la demande ne sera pas complétée, ne sera pas complète et ne sera pas admissible. Donc, c'est un petit rappel. Recommandation finale. Débutez votre, votre demande dans le format Word. Donc, télécharger la demande, compléter dans Word et ensuite copier-coller l'information. Donc, il y aura-t-il des demandes de conformité avec des organismes de langue et d'interprétation? Donc, nous allons évaluer le genre de centre pivot qui vont faire des demandes et ensuite nous verrons si ce critère est important. Nous allons partager cette information rapidement et bien sûr, nous pouvons répondre à toute question par rapport à cela. OK, donc je crois que c'est tout. Si nous avons manqué quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup pour votre intérêt sur cet appel et nous allons avoir des ressources jusqu'au 26 juin. Si vous n'êtes pas sélectionné suite à cette date, vous verrez l'échéancier. Quand est-ce que vous devriez vous attendre d'obtenir un message automatique? Donc, si vous n'êtes pas sélectionné, nous n'enverrons pas de rétroaction ou de commentaires aux organisations non sélectionnées. Si vous êtes sélectionné, vous obtiendrez des commentaires de nos évaluateurs pour obtenir une demande finale pour une subvention. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Merci Annette, Paul, à Julio pour vos, euh, votre soutien sur cet appel. Merci. Merci tout le monde. Merci. Sure. I actually have um, a team meeting right now. Could we maybe reconnect tomorrow? Yeah. Okay. Okay. Thanks, everybody.